Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour déballer un swap. Alors, il s'agit d'un swap qui a été organisé sur Livradict, qui a pour thème Papeterie and Co. Et moi, je l'ai fait avec Lectorinette. Et donc, voilà la jolie petite bête qu'elle m'a envoyée. Et je vous propose qu'on ouvre ensemble chacun des paquets. Alors, j'enlève les protections. J'espère que Philou va pas... S'il arrive. On ne fait pas tomber le trépied, Philou. Hein. Allez, alors, j'en prends un premier. Non. Tu files. Donc non, après vérification, je n'ai pas a priori de carte ou de menu, donc je vais y aller freestyle. Alors, c'est pas un livre, hein, parce que c'est une boîte qui est creuse. Allez. Ok, je vous montre. Alors, en fait, c'est un porte différentes choses à l'effigie des poissons. Donc, il y a un porte-stylo, il y a des... pour accrocher des documents ensemble. Et il y a également... et c'est un bloc-notes aussi. Alors ça, je trouve que c'est une très belle idée, tout en un. Voilà, j'aime beaucoup. On commence très très bien. Ensuite... Alors... En fait, il y a plein de paquets. Et je vais vous dire comme d'habitude que je suis sûre qu'on soit pas ridicule. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, ça a l'air très très beau. Ça a l'air très très beau. J'espère que vous verrez bien. En fait, c'est un carnet à spirale de la carte des maraudeurs. En anglais, s'il vous plaît. Monsieur Mooney, Wormtail, Batfood and Prongs are proud to present the Marauder's Map. Enfin voilà, ça c'est les folies, c'est ce que j'appelle faire des folies parce qu'il est splendide quoi. Et c'est quand même mon univers favori, Harry Potter quoi. Et en plus, moi qui vous prépare bientôt une vidéo sur toutes les pop, goodies et autres, je vais le rajouter. Là je suis complètement refaite, c'est dingue. Et Philou est revenu, donc on est susceptible d'avoir un problème de trépied en fait. Alors, j'ai très envie d'ouvrir ça parce que je pense que je sais ce que c'est ou que ça y ressemble fortement. Des marque-pages. Philou, non! Je lance son jouet. Ça, on aura la paix quelques jours. Alors, ah, une très très belle idée de marque-pages. Voilà. Vous avez, je vous le mets un petit peu plus près, une bibliothèque à, qui craque de livres en fait. Donc hein, je crois que ça rappelle suffisamment chez moi. Du coup, voilà, j'adore. J'adore complètement, même si j'aimerais beaucoup ranger ma bibliothèque. Ça, je sais pas pourquoi, je peux me tromper, hein, mais ça sent la tablette de chocolat. Oui! Ah, mes préférés en plus, des Milka. Au lait. Tout simple, c'est ce qu'il me faut. Merci beaucoup, Miss. Alors, après, là, on a un tout petit paquet. Ah, peut-être à magnette. Parce qu'en fait, on avait toute une liste de choses qui pouvaient nous intéresser en lien plus ou moins avec la papeterie. Et j'ai bien l'impression que j'ai vu juste. Alors, oh non mais est-ce que ça se voit tant que ça que je suis une Potterhead en fait? Parce que... je vous l'ouvre, hein. Je suis en train de galérer parce que je suis à moitié tremblant. En plus, je me suis pris un coup de chaud parce qu'on a les premiers soleils, donc voilà, je suis fatiguée donc.
Oh là là, regardez comme il est magnifique. Donc c'est un magnet, je vais y arriver, à l'effigie de Hogwarts. Il est juste trop trop beau quoi. Et je pense qu'il fera bien sur mon frigo du coup. Ça c'est top. Pff, déjà deux trucs d'Harry Potter en fait. Comme une bague. Alors, il y a ça qui est emballé. Et franchement, j'espère que c'est pas le menu. Parce que sinon c'est trop tard. Oh, c'est la carte! Qui est splendide. Oh là là. Ah bah ça donne envie d'être en automne, même si on arrive au printemps, mais ça donne bien envie en fait. Oui, parce que du coup, en fait, Agnès, donc les Torinettes, c'est son premier swap. Et donc on le fait toutes les deux. Donc c'est vrai que c'est un. Pour elle, un vrai challenge. Et franchement, le challenge, il est réussi, quoi. T'as super bien géré pour l'instant. Enfin voilà, quoi. Je pense que le mien est vraiment. Il est ridicule le mien à côté, mais vraiment. Alors après. Qu'avons-nous, qu'avons-nous, qu'avons-nous? Pen and bookmark. Alors, en fait, c'est un stylo et un marquage. Mais c'est la baguette de Voldemort. Je discutais avec ma cousine juste hier du fait, enfin, de quelle baguette on aimerait se munir. Et on aime bien celle-ci aussi, quoi. Je vous laisse regarder. Elle est trop, trop belle. Et donc, du coup, ouais, le stylo. Et si on veut en faire un marque-page. Mais moi, ce sera éventuellement un stylo, mais pas un marque-page, ça c'est clair. Et je fais deux swaps Harry Potter après. Ouh, il y a un colis qui a pris cher. Ouh là là. Ouh, et en plus, tu vois ce que c'est. Oh là là, t'es folle. Oh. Alors, il s'agit de Brocéliande, en fait. La forêt du petit peuple de Perru, Benoît et Jacques Moir. Le premier tome, La Fontaine de Barrenton. Et c'est publié chez Soleil, comte de Bretagne, qui me faisait très très envie et qui était donc dans ma wishlist. Et franchement, le graphisme me plaît, mais un truc de ouf, quoi. Oh là là! Je suis trop contente. Mais trop contente, quoi. Enfin, moi, je crois que j'ai trop misé sur l'aspect papeterie, journal, correspondance, machin, truc bidule. Et alors, le deuxième livre. Mais tu pouvais pas te tromper, Agnès. Franchement, en faisant. Je vous le montre aussi, quoi. Donc, en fait, c'est les spéciales Harry Potter, les guides de cinéma sur là, le personnage de Harry. Publié chez Gallimard, donc en fait on va avoir des photos de par exemple de ses parents et puis bah, des photos où il est plus grand dans la coupe de feu ou en haut bah, aussi dans la coupe de feu mais quand il se bat dans le lac et voilà que dire de plus si ce n'est que oh, t'es complète, enfin, c'est oufissime quoi. T'es vraiment partie dans Harry Potter et voilà et moi j'aime tout de cet univers et voilà, ma collection ne fait que grandir. Bon, les folies s'arrêtent ici et j'ai été extrêmement gâtée. Je suis très contente d'avoir fait ce soir, très contente de l'avoir fait avec toi, Agnès. J'espère quand même que ce que je t'ai envoyé pourra te plaire parce que vraiment, je suis restée à fond dans le thème, alors que d'habitude, non. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie. Et je vous souhaite de très très belles lectures pour les prochains jours. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!